Allô, papa ? Ça va ? Je suis à Istanbul, en Turquie. Je suis désolée de ne pas t'avoir appelé hier, mais on a dû repartir dans l'Émirat. Snarkov et Egoken nous ont encore joué un sale tour. Quoi ? Encore ces deux fripouilles ? Qu'est-ce qu'ils ont encore été inventés comme manigances ? Snarkov nous a volé l'ancienne carte et Egoken l'a brûlée. Nom d'une pub. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire, hein ? Ne t'en fais pas, papa. Nous avons réussi à la reproduire de façon complètement identique. Et comment vous avez fait, si je peux me permettre de poser la question ? Ali avait conservé un peu d'encre vieille de Je suis désolé, ma puce, mais tu me raconteras la suite une autre fois, parce que là, je dois descendre à la mine. Vous partez où, maintenant ? En Cappadoce. Ça se trouve au centre de la Turquie. Eh bien, bonne chance, alors. Et à bientôt. Merci, papa. Je t'appelle demain. Hé ! Où est-ce que vous allez ? Messieurs, je vous parle ! Tilda ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Y a que vous partez tout de même sans me dire un mot. Oh, Ben et moi, on va simplement au bain turc. Des bassins d'eau brûlante parfumés au pétale de rose. Pour dissiper nos chagrins et nos infortunes. Tout couronné par un massage vigoureux. Si tu veux une bonne viande, va chez les Perses. Si tu veux un bon chameau, va chez les Arabes. Mais pour les meilleurs bains de vapeur, va chez les Turcs. Et il ne vous est pas venu à l'esprit que moi aussi je pourrais apprécier un bain de vapeur ? Vois-tu, c'est que... En fait, c'est un truc pour les hommes. Je n'en crois pas mes oreilles. Ne le prends pas comme ça. Tu sais ce que tu es, Farhat. Tu n'es rien qu'un macho archaïque et rétrograde, un véritable homme des cavernes. Mais enfin, moi je n'ai rien dit, c'est Ali oui, qui... Oui, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. J'étais en train d'essayer de te dire que tu peux venir avec nous. Farhat, tu veux dire que tu condescends à me donner ta royale permission ? En fait, pas exactement avec nous. Les femmes disposent d'un endroit rien que pour elles. Ouais, c'est comme chez le coiffeur. Allez-y tout seul, vous décrassez. Tilda ! Un petit peu nerveuse, hein ? Il lui faudrait un beau bain pour se détendre. Mais quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Assez ! Pitié ! Posez-moi par terre ! Je vais être malade ! Pardonnez-moi ! Répète après moi. Je suis un stupide mortel. Je suis un stupide mortel ! Je suis un stupide mortel ! Je suis un mutide mortel ! Excellent. Je vais avoir un mal de tête épouvantable. Tu as cru que tu pourrais garder le Shariman rien que pour toi, espèce de crapule. C'était une petite erreur d'inattention. Je m'en repens amèrement. Le cristal magique est hors d'atteinte de tes insignifiants pouvoirs de domination. Ça doit être vrai si vous le dites, boss. Farhat sera bientôt en mesure de s'emparer du deuxième fragment du cristal. J'arriverai sûrement à l'arrêter avant. Non, tu ne feras rien, minable ver de terre. Moi, j'arrêterai Farhat. C'est comme s'il était déjà mort. Le cristal magique est hors d'atteinte de tes insignifiants pouvoirs de domination. Tiens, ça, c'est ce qu'on va voir, pauvre minable fantôme babylonien. Grâce à mes ressources inépuisables et à mon intelligence inégalée, je deviendrai le maître du monde. Vous savez que ce n'est pas la première fois que je séjourne dans cette oasis de calme et de volupté. Tu es déjà venu ? Oui, il y a 700 ans. Je croyais que tu avais passé tout ton temps dans le désert interdit à veiller sur la carte. Il fallait bien que je m'autorise un petit peu de distraction de temps en temps. Bien sûr, l'esprit a parfois besoin de réconfort lui aussi. Tu as raison, Ben. Moi, l'expérience la plus agréable que j'ai jamais vécue, c'est le massage ici. Je n'oublierai jamais la charmante créature qui, grâce à ses mains habiles et à son attitude tout en douceur, a réconcilié mon âme et mon corps. Oh, c'est bon. Ali, tu nous as convaincus. Alors venez, si je me souviens bien, le salon de massage se trouve juste à côté. Oh, qui sait quelle charmante et douce créature m'attend derrière ce rideau. Maman. Je vais aller prendre une douche, plutôt, hein. Tu ne voudrais pas décevoir la charmante et douce créature. Non, pas lui, surtout pas lui. Laisse-moi. Oh.
Voyons, Ali, la charmante et douce créature d'il y a 700 ans ne devait pas être si différente de ton manipulateur actuel, si? Tiens bon, bonhomme, tu te sentiras plus jeune de 100 ans après. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as perdu ta langue? Lâche-moi! Non! Je dois avouer que je ressens un certain soulagement. Oui, oui, moi aussi. Je propose que nous fassions un petit somme pour nous remettre. Tu parles. Dans mon pays, même les membres de la famille royale ont de meilleures manières. Oh, les hommes sont tous les mêmes, tous des voyous. Ah oui, tu pourrais dire que tu l'as cherché. Je suis désolée, je ne voulais certes pas l'envoyer aussi loin. Je vais aller te le chercher. Magnifique. Hein? C'est quoi ça? Hein? Où es-tu, père? Et toi, mère? Alors, ce n'était qu'un rêve? Le danger est tout proche et bien réel. Réveille-toi tout de suite, mon fils. Et fais très attention. Ben, où est Ali? Ici. Hé, hey, d'où vient cette vapeur? Je suis sûr que c'est un piège. Il faut filer d'ici tout de suite. Trop tard, bande de minables. Oh, le Shariman. Il a disparu. J'ai perdu le cristal magique. Pauvre petite chose, tu es à moi maintenant. Allez, ça regarde. Laisse, je m'en occupe. Et maintenant, qu'est-ce que je dois en faire? Attends un petit peu que je réfléchisse. Mais oui, c'est ça, c'est le coup de la France qui s'impose dans des circonstances pareilles. Allez, Ben, c'est à toi de jouer maintenant. Lance le Shariman contre ce démon. Mais moi, je ne suis pas comme Farad. Mais vas-y, fais-le. Je ne sais pas tirer avec une fronde. Ne te pose pas tant de questions. C'est un engin très puissant. Tire sur l'élastique et ça partira tout seul. Allez, dépêche-toi. Allez. Allez. Tire de toutes tes forces. N'aie pas peur de me faire mal plus fort. Maître,
Ça ira, mais il faut vite qu'on parte d'ici. Plus facile à dire qu'à faire. Essayons par là. De mon temps, il y avait une issue secrète par ici, derrière une fontaine, je crois. Si on ne la trouve pas, on va finir par bouillir comme un rôti anglais. Malédiction! Je ne me rappelle pas comment ça s'ouvre. Ton issue secrète va rester secrète pour nous aussi. Allez! Et voilà. Ne perdons pas de temps! Les réservoirs byzantins. Ils servaient à recueillir l'eau de pluie pendant les sièges. Heureusement qu'il ne pleut pas aujourd'hui. On serait noyés au lieu d'être brûlés. Sim Shaba Shalenki. Eh ben, Turc, et puis quoi encore? Il vaut mieux redescendre, mademoiselle! Mais c'est pas vrai! C'est encore Egoken! Vite, Ben! Le courant est trop fort, faisons demi-tour! Oh! Oh! En voilà un autre. Essayons par là. Et si ça ne marche pas? T'as une meilleure idée par hasard? Non. Vite! Finalement, t'as une petite raison, Ben. Vous vous souvenez de l'expression « ne pas faire de vagues » ? La différence, c'est que ces vagues ne sont pas causées par un orage naturel, mais une force maléfique. J'avais toujours espéré te faire griller, Farhat. Mais finalement, te noyer comme un petit chat me fera tout autant plaisir. J'en ai assez de toute cette flotte, je veux retourner dans le désert. Farhat, j'ai cuit le Shariman. Arrête-le. Non, je ne peux pas à cause des vagues. Il faut qu'on atteigne cette ouverture là-haut. Oui, c'est notre seule chance. Ombre, tu peux y arriver. Je vais essayer. Allez, invente quelque chose. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et si tu augmentais la quantité d'eau dans le bassin? Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon prince? Tu trouves que tu n'es pas assez mouillé? Ce n'est pas ça. Je veux qu'on atteigne le sommet du dôme. On pourra peut-être sortir. On est en train de se noyer et son altesse réclame encore un petit peu plus d'eau. Bon, je ne suis pas là pour réfléchir, mais pour obéir, il paraît. Mais dépêche-toi! Oui, alors, il me faut quelques poignées de betteraves fourragères. Et c'est parti pour un gévère! Messieurs, en voilà une surprise. On ne vous a jamais appris qu'il fallait frapper avant d'entrer chez une jeune fille? Comment est-ce que tu... Le vent est orienté au sud-ouest, il nous pousse vers la Cappadoce. Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la peine de m'expliquer ce qui se passe ici, s'il vous plaît? Je crois que ce serait trop long à raconter. En tout cas, elle ne doit plus jamais faire ça. Faire quoi? Nous abandonner comme ça. Sans toi, on aurait fini comme des pizzas. Oh.
Votre affreuseté, vous pensez que vous parviendrez à piloter l'appareil de contrôle de votre ombre? Oui, évidemment. Bon, comment ça se met en marche? Avec ce petit bouton jaune ici. Essayez d'ouvrir la fenêtre, monsieur. C'est une grande réussite. Je vous offre toutes mes félicitations. Et maintenant, faisons un véritable test. Votre cruauté, vous n'avez pas l'intention de... Si je te sauve la vie, tu travailleras pour moi toute ta vie gratuitement. Ta merveilleuse invention a des effets secondaires inattendus. Bon, et maintenant, je me sens mieux. Regarde, la queue du scorpion. Elle a encore bougé? On dirait qu'elle indique la direction de la Cappadoce. Ouh, il fait frais ce soir. Oui, j'ai froid aussi. On ferait mieux de se mettre à l'abri. Tilda? Je suis désolé si je t'ai donné le sentiment de te laisser en plan. Oh, ne t'en fais pas pour ça, c'est moi qui ai un caractère de cochon. Ce n'est pas vrai du tout, non? Je trouve que tu es très chouette. Vraiment? Presque. Nom de caillou chauffé à blanc! D'où sortent ces trucs-là? Aujourd'hui, il y a un rassemblement du club de montgolfières en Cappadoce. Des mongols volants? Mais il faut se préparer à la bataille! Mais non, Ali, elles sont complètement inoffensives. Ce sont des ballons d'air chaud qui portent le nom de ceux qui les ont inventés au XVIIIe siècle, les frères montgolfiers. Eh ben, dis donc, il y en a des choses qui ont changé depuis 300 ans. Il y a une chose qui n'a pas changé, c'est ma cuisine. Fais-moi goûter. Tous les anneaux de ma carapace! Mais d'où ça vient, tous ces nuages noirs? On avait une journée magnifique! Je crois qu'on va avoir un visiteur. Tu as raison, Varad. Et cette fois, je vous attaquerai non seulement avec de l'eau, mais avec du vent et des éclairs! Malédiction! Il a disparu, je ne sais plus où lancer le cristal! Petit prince, vous allez bien? Vous avez été touché par un éclair? Regardez le cristal! Il a absorbé la foudre! Oh. Parfait! Le cristal nous protège de la foudre. Mais qu'est-ce que vous diriez de le renvoyer à l'expéditeur? Nous avons à bord un scorpion qui se charge très bien de ce genre de tâches. Merci pour la proposition, mais les éclairs, moi, ça me rend nerveux. Tu crois que c'est bien le moment de te faire prier? Et pourquoi c'est toujours moi qui dois faire le seul boulot, hein? Voyons, Ali, tu es le seul qui peut nous sauver. Bon, ça va, j'ai compris, c'est pas la peine de me flatter. Alors, voyons ce que je peux trouver. Une petite lampée de soleil. Yash! J'ai l'air de la statue de la liberté ou juste d'une girouette? Qui aurait cru qu'une petite bête comme moi puisse faire venir le soleil? C'est pas mal, hein, pour un scorpion? Toutes mes félicitations, Ali! Est-ce qu'on approche du deuxième cristal? Certes, il va bientôt apparaître, il n'y a plus une minute à perdre! Le point de rencontre est au sommet du plus haut promontoire, là-bas! Fais vite, Farah, il nous reste un peu moins de deux minutes!
me voici. Youhou. Oh, Snarkov. Oui, Galopin. Moi aussi, j'ai une ombre très douée. Tu vas voir. Empare-toi du cristal. Attrape le cristal. Malédiction. Tiens, prends ça. Désolée, je suis un peu en retard. Oh, tu as réussi. Tu es génial. Yes. Reviens ici, mais réagis enfin. Maintenant, on a deux fragments. Je me demande où apparaîtra le troisième. Notre prochain rendez-vous avec le Chariman est fixé dans 4 jours. 22h, 17 minutes et 11 secondes au centre de l'Australie. Il faut qu'on aille en Australie? Ben oui, pourquoi? Alors on a intérêt à se remplir d'abord l'estomac. Oui, tu as raison. Le chemin vers la lumière est effectivement encore très long.